vision décalée sur le monde du sport. Opinion controversée sur des sujets bâtards. Est-ce que je suis meilleur au tort quand il pleut dehors? Match de suite. Tavernac, vous avez bien entendu. Discussion de taverne animée par des gars de la rue. C'est pas l'antichambre, on a des chaises, pas des divans parce que c'est match de suite. On finit ça avec discussion ou pas tant. En tout cas, c'est du fun dans mon tête, je sais, ça rime pas, mais c'est pas grave parce que c'est match de suite. Oh là 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 là, l'alerte continue, Bon. Pis pas, j'suis obligé de lancer l'alerte encore parce que j'ai perdu un Adley qui était en quarantaine avec moi, mais là je le trouve plus dans mon dans notre quarantaine, je sais vraiment plus, j'ai fouillé partout dans la salle. Il m'en commence à manquer un peu de vivre, mais regarde, on est toujours en quarantaine, Adley il est censé être quelque part dans la pièce, je ne sais pas il est où, je dois avouer que on voit plus beaucoup de la lumière, donc ça se peut qu'il soit là puis je le vois pas. Donc j'ai décidé d'aller rechercher quelqu'un via les voies de l'internet, parce que c'est ça maintenant, hein, c'est ça l'internet, c'est la vie. Et je vais rejoindre notre érudit de sport, Jules Zimmer de Champlain. Donc Jules, tu es là? Oui! Oui, bon! Allô! Oui, je suis là, ben oui! Ben oui. Donc re-bienvenue à Match Nul Street Mode. Encore là, malgré qu'il n'y a plus de sport, hein, donc mon cher Jules, qu'est-ce qu'un podcast de sport peut bien parler? Hey, écoute, quand j'ai su qu'il n'y avait plus de sport, là, hey, j'ai pleuré. Écoute, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire de mes journées à plus regarder le sport? Ben, on s'est trouvé des idées à parler, hein? On s'est fait un plan. Ah oui? Bah, d'accord. Ben oui. Tu veux qu'on parle de notre plan? Ça peut être un début. Oui, ça peut être un début. On s'est dit qu'on pourrait parler de sport, mais sans parler de sport, parce qu'il n'y a plus de sport. Fait qu'il faudrait parler de sport plus large, comme on pourrait dire. Ouais, les sports alternatifs. Les sports alternatifs. Mais... comme les Paralympiques, ce que tu es en train de dire? Ben non, quand même différent. Plus des sports que tu peux faire à la maison. Ah, OK. Mais ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on va regarder ça, là. Mais avant, là, hey, on pourrait faire un peu d'histoire. Qu'est-ce que tu en penses, oui. Guillaume? Donc, le sport a commencé quand, mon cher Jules? Ben, d'après moi, le sport a dû commencer avec un homme de Cro-Magnon qui a pris une roche qui l'a lancée sur son voisin. Puis ah oui? Il l'a manqué, probablement, puis pour pas se faire voir qu'il disait qu'il allait tuer quelqu'un, ben, il a dit qu'il voulait juste la lancer le plus loin possible. Puis c'est là qu'est arrivé le lancer du disque, d'après moi. Ça, c'est mes spéculations. Là. Mais t'es sûr que ça serait pas genre, ou mettons, genre, il y a un ours qui me poursuit, fait que je cours pour ma vie? Hey, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée aussi. Puis à un moment donné, on a vu qu'il y en a un qui courait ben vite, fait qu'ils se sont dit, hey, ce serait une bonne idée de se pratiquer, peut-être c'est ça. Hmm. Mais tu sais, c'est qui a popularisé le sport? Bouddha? Ah, sûrement. Mais sûrement aussi qu'il y a Jules César. Jules César? Oh, que personne qui partage ton nom. Hey, écoute, c'est quasiment mon ancêtre avec ce nom-là. Ben, il n'y a pas le choix, là. Hein? Ben oui. Hey, eux, là, il y avait des arènes pour faire du sport, il y avait plein de trucs. Puis tu sais, qu'est-ce que... Ben, je sais pas si c'est lui qui l'a amené ou un autre empereur romain, là. Écoute, je suis un érudit de sport, hein. Je suis pas un érudit d'histoire, là. Non. Ben, il avait amené l'idée des pains et des jeux. Oh! Hein? Mais là, il y a un problème, hein. Parce qu'en ce moment, on n'a plus de jeux. Ben, c'est ça. Ben, attends. Avant qu'on dise ça, peux-tu m'expliquer au moins c'est quoi cette phrase-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que exactement. Moi, en tant que mortel, je comprends pas trop. Ben, c'est que César, ou peu importe l'empereur, là, regarde, on s'en fout, là, il disait que pour que la civilisation fonctionne et que tout le monde soit content, il faut du pain et des jeux. Donc, des jeux comme du sport, des combats de gladiateurs, puis tout le monde est content, puis du pain, ben, de la bouffe. Ben là, qu'est-ce qui se passe, Guillaume, en ce moment dans notre vie? Là, sont où les combats de gladiateurs? Les joueurs de hockey qui se frappent et que tout le monde crie? Y'a plus de jeu! Y'a plus de jeu! Je sais! On est chez nous! Ben là, il nous reste juste du pain? Ben là, tu penses qu'on va commencer à manquer de pain? Ben, je sais pas. Moi, j'ai vu les Américains commencent, eux, leur première réaction, c'est de s'acheter des armes pour pallier à cette pandémie. Ah, c'est vrai! C'est vrai que la meilleure chose pour combattre le COVID-19 est de tirer les germes. Non, ben non, ils passent ça parce que eux, leur message, c'est genre, puis j'ai vu une pub, là, c'est mongol. Eux, leur, en gros, c'est achetez-vous une arme, ça va vous prendre. Parce que le monde va venir vous chercher vos affaires. C'est ça, comme ça qu'ils vendent leur arme. Ok, eux sont déjà dans Fallout, là. Ils sont prêts à se battre.
Sinon, ce qui me fait rire aussi, ben, c'est l'achat de papier de toilette. Bon, c'est pas du pain, mais ça partage quelques minces lettres similaires. Non, c'est sûr. Mais on s'entend que le papier de toilette, c'est quand même quelque chose... Tu sais, je vais faire une parenthèse, là. On va s'éloigner un peu du monde du sport, là. Outre le lançage de papier de toilette sur les maisons de professeurs des années 80. Là, on est quand même un podcast de sport, là. Faut pas que tu t'éloignes trop, là. Exactement. Ouais, non, le papier de toilette, ça me fait rire parce que, anyway, si t'en as pas, ben, tu peux juste te laver. Ben oui, prendre une douche. Ouais, ou une débarbouillette. Ou un bidet. Ou vas-y commando, là, regarde, c'est pas si pire que ça. Là. Ça, il y aurait d'autres choses à acheter d'avance que ça. Là. Mais... Non, c'est ça. Tu peux y aller, les papiers mouchoirs, ça peut faire la job. Ben oui. Mais c'est ça. Fait que là, si on se dit, là, si on prend l'idéologie des Romains, là, c'est que là, si on commence à manquer de bouffe, là, je sais pas si par exemple, ben on ferme la frontière avec les États-Unis, mettons, puis qu'on a plus de fruits et légumes, puis là, on commence à avoir moins d'affaires, ben là, ça serait la révolte totale. Ouais. Mais de toute façon, est-ce que le sport peut marcher dans un monde à la Mad Max? J'avoue que ça serait cool, hein? Ben, si je me fie au film Mad Max, je dirais oui. Ouais. Parce qu'il y avait des combats de gladiateurs. Fait que dans le fond, c'est comme un cercle, hein? Ça revient tout le temps. Hein? Ben oui, c'est ça. Puis la bouffe, on va juste commencer à manger d'autres trucs, genre des insectes à terre ou des affaires. Ouais. Ouais. Mais bon, OK. Fait que l'apocalypse, c'est pas pour tout de suite? Non. Nice. J'aime que notre érudit... Qu'est-ce qu'on fait en entendant? Ben oui, je suis un expert. Je suis un expert en tout. Fait que, qu'est-ce qu'on fait en entendant, Guillaume? Oui? J'ai une question pour toi. Oui. Toi, là, ouais. Un fameux joueur de hockey. Que je suis un fameux joueur de hockey ou je pense à un fameux joueur de hockey? Oui, oui, t'en es un. T'es un joueur de hockey fameux. Oh, ouais, ouais. Ouais, ouais, on va le dire. Bien humblement, oui. T'as joué au frisbee. En tout cas, j'ai entendu dire que... Parfois, tu tombais par terre ou t'attrapais pas les frisbees, mais t'es un joueur quand même. Ouais, ça, c'est des rumeurs, là, mais bon. OK. Je les attrapais, mes frisbees. Sinon, c'est quoi les autres sports que tu faisais? Ah, il y a le... Attends, il y en a un, faut que tu cries tout le long que le gabadi. Dois courir. C'est quoi déjà ça? Le gabadi. Le gabadi, un expert du gabadi avec nous. C'est non, quoi les autres sports que tu faisais, là? Ben, regarde, je vais dire, dans une ancienne vie, j'étais un grand... aussi un érudit créateur de sports avant-gardiste. Okay. Donc, okay. Voilà. Mais là, c'est cette époque dernière moi, là, c'est fini. C'est vrai. Non, je joue au soccer, sinon. Là, ah, au soccer, OK, parfait. Mais quand même, pas mal de sport, là. Fait que là, moi, ma question pour toi, là, c'est un sportif, un athlète comme toi, là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, là, maintenant, en barré chez toi? Ah, du rollerblade. Pour vrai? Ouais. Wow. Ça, tu fais pas trop peur à ton chien pis ton chat? Non, ben, j'ai pas tant de place, mais sinon, quand que je suis tanné de le faire en dedans, je m'en vais surtout à l'extérieur en faire. Ah, c'est vrai, on peut encore sortir. Oui, on peut encore sortir. J'avais oublié ce point. Bon, mais la question ne fonctionne plus vraiment. Le but, c'est plus les sports d'équipe qui manquent en ce moment, hein, on va se le dire. C'est vrai. Mais c'est bon, vrai. Hein, c'est ça qui est ça. Hein. Ben, il y a des choses que tu peux faire quand même à la maison. Moi, j'ai commencé à faire la planche, par exemple. Ouais, la j'ai planche. Commencé... ouais, c'est pas mal ça, j'ai... Ben, il y a des marathons que je fais, ben, c'est plus des marathons d'émissions de Netflix, mais bon. Ouais, non, c'est close enough, là. Ça revient le sportif de salon, là. T'as remplacé ça. Ouais, c'est ça. Mais justement, le sportif de salon, ce serait quoi les sports que tu pourrais faire à l'intérieur? Même les sports d'équipe, là, tu dis que c'est difficile, mais il doit en avoir quelques-uns. Écoute, j'ai vu quelqu'un sur Internet l'autre jour faire du parkour chez lui. Oh! Comme un The Floor is Lava, là? Ouais. Fait qu'en gros, lui, son principe, c'est que... Il doit jamais toucher par terre. Puis il fait juste genre, courir partout dans sa maison. C'est un peu dangereux parce qu'à un moment donné, dans la vidéo, il fait juste piler sur son ordi. Je fais « Ah, OK. » Ouais. Fait que ça, c'est un peu... je pense que c'est ça, là. Ça pourrait être un qui est très intéressant, mais tu as aux chances de te péter à gueule ou de péter tes trucs. Parce que d'habitude, tu fais ton parcours à l'extérieur parce que tu n'as pas envie... Quand tu pètes de quoi, ben c'est ouais, pas à toi. C'est à quelqu'un d'autre. C'est, ouais, ça. C'est ça. C'est classique, là. Ouais, c'est ça. Petit parcours, ouais, ça serait une bonne idée. Ouais. Sinon, j'ai vu du monde faire de la nage. C'est-à-dire tu te mets un bocal d'eau, tu te mets sur une table, tu mets ta tête dans l'eau, puis là, tu fais semblant de nager, puis là, tu sors de la tête de l'eau. Oh! Ouais, mais c'est une bonne idée quand même. Ben oui, puis non, là, parce que c'est pas l'affaire qui te fait avancer le plus. Là. Je pense pas que ça... Parce que le principe d'aller nager, c'est que t'as de la résistance avec de l'eau, là. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ce point-là qui... Ouais. Par rapport à la nage, ouais. C'est vrai. Mm-hmm. Sinon, quoi d'autre? Ben, il y a le...
Ouais, c'est le vélo stationnaire, pis si mettons t'as pas de vélo stationnaire, ben tu peux faire semblant aussi d'avoir un vélo. Ou sortir dehors pour faire du vrai vélo. Ah, et toi, Guillaume, là, tu trouves des solutions trop facilement, Ben qu'est-ce que tu veux, hein? Moi, je suis un gars à solution, hein? Hey, ça paraît, ça paraît. Moi, je cherche les problèmes, hein, pour leur trouver des solutions. C'est ça mon but de la vie. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais sinon, je sais pas pour toi, mais j'ai vu l'autre jour, en regardant du sport à télé en reprise, que OK. il y avait possiblement une nouvelle place à un sport qu'on pourrait dire qui est pas connu, mais un sport qui commence par la cinquième lettre de l'alphabet. La cinquième lettre. Ouais. Je te laisse y penser un peu. Oui, bravo. Ah ben je comptais sur mes doigts, Le mais. Ouais, ok. E Un sport sport. avec E. Oui. Là, faut-tu que je le trouve, là? Bah ben, vas-y, hein, on a le temps, on a juste ça à faire, hein, des jeux. Tiens, ouais, on va Ok, faire le ben segment alors. jeu. Attends, on fait le segment jeu pour ça. Jeu. Oui, donc jeu. Alors, un sport commence avec la lettre E. On est rendu là. Oui, go. Ouais, fait que, ben, juste de même, là, sur le tas de ma tête, l'épilation en sprint. Non. Non? L'épilation en sprint. Ouais, faut que t'épiles le plus rapidement possible tes poils. Non, ok, c'est pas ça. Non. Électrocuter ses orteils? Non, voyons, t'es ben macabre. Ben là, je sais pas, je cherche des sports en E. Il y en a pas tant que ça, là, des sports en E. Ah ben, Des sports en E, tu peux attends. simplifier ta recherche si tu veux, hein. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Sport. Ah, ouais, parler juste pas, ouais, mais c'est parce que je suis un érudit, mais Non, je je sais. connais pas tant les sports. Aïe, dis-le pas. Mais non, je pourrais t'aider un peu, le e-sport. Oh, tu voulais parler de ça? Ah, oh, oui, le e-sport. Ah, ok. Ah, ben oui. Oui, le e-sport. Oui, c'est vrai. Parce qu'en effet, Guillaume, merci de m'avoir donné ce cue si bien établi que j'aurais dû être prêt à prendre. Ouais. Oui. Parce que tu sais, Parce qu'en c'est fait, justement. pas contrairement à la rumeur populaire, le e-sport ne commence pas par la lettre I, mais commence par la lettre E. Oui, c'est ça. C'est juste une version anglaise, mais de la lettre. Mais oui, c'est ça, parce que justement, je t'en parlais, Guillaume, que là, tu disais que les sports, ben, ils ont plus les regarder parce qu'il n'y a plus de rassemblement, hein? En effet. Mais le e-sport, qu'est-ce qui est pratique, c'est que tout le monde peut rester chez soi puis continuer à jouer aux jeux vidéo. C'est pas bien ben compliqué. Sauf pour les gros tournois. Ouais, les gros tournois, mais c'est ça. Sauf pour les gros tournois, mais les autres petites compétitions, ben, ça se fait quand même assez facilement. Puis un gros tournoi, ben, ça peut quand même se modifier pour, mettons. Fait que là, ma question, là, c'est est-ce que tu penses que RDS ou là, ils savent plus trop quoi faire? Est-ce qu'ils vont se tourner vers le monde du jeu vidéo puis ils vont se dire, hey, on va aller montrer des compétitions de jeux vidéo au grand public? Ils font ça sur l'internet, mais pas assez pour pas des jeux vidéo. Ils vont juste faire mettons, ils continuent la saison du Canadien sur NHL, où est-ce que magiquement le Canadien gagne tous ses matchs. Fait que ça, c'est un peu bizarre, mais bon, Ouais. ça c'est notre affaire. Là. Ah, puis ils gagnent 18 à 15, là, fait que c'est Ouais, bizarre. mettons que c'est pas les mêmes mesures qu'on a là, mais ouais. Mais il n'y a pas vraiment. RDS n'est pas encore tourné puis dire hey, on va se lancer Non, ben en là-dedans, ce moment, tu vois. RDS ont surtout coupé du monde, là, fait que, parce qu'ils veulent. Ben, le TVA Sport aussi, là, parce qu'ils sont pas un service essentiel en tant que tel en ce moment, là, donc ils mettent des rediffusions de matchs, c'est ça qu'ils font. Ouais, c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait du monde qui rentre au bureau pour Ouais. organiser tout ça, puis ouais. T'as des rediffusions de Ça matchs, marche puis pas. t'as des les classiques chasse et pêche qui sont toujours là, ça c'est sûr, là. Ouais. Parce que sinon, ça serait drôle. Tu prends les pères ou les mères de famille de plus de 60 ans dans les maisons, OK. puis là, tu leur fais jouer à des jeux vidéo qu'ils n'ont jamais joué, puis eux, ils comprennent même pas c'est quoi une manette, puis là, tu Ouais. les fais compétitionner entre eux. Puis là, tu les. Ouais. Ça serait cool, non? Ah, Là, tu les mets à. C'est quoi un sport, là? C'est quoi un jeu qui pourrait jouer qui comprendrait pas les boutons, là? ben n'importe quel jeu de combat genre à la Dragon Ball là, où est-ce que Ah, c'est ça, un les petit boutons Mortal Kombat, ouais, ça, où est-ce que les combos sont importants là, je pensais. là. Ouais, c'est ça, là, t'es mécontent, là. T'es dans ton. Hey, je comprends rien. Ouais. C'est qui mon bonhomme? Ah, ça pourrait être drôle à regarder. Soit ça ou un jeu qui te laisse tout, genre Breath of the Wild là, où est-ce que tu fais juste tu commences puis comme vas-y. Ah, ouais, c'est ça, c'est le premier qui arrive à battre le premier boss, tu sais, qui gagne, mais Ouais. ils sont même pas capables de sortir du donjon, je sais pas trop. Ah, ce serait drôle à regarder. Mais justement, j'avais une autre question pour toi, Guillaume, là. Ah ben vas-y, hein, je suis tout ouïe.
Tu sais, tout à l'heure, là, on parlait des hommes de Cro-Magnon et tout, là. Je suis devenu l'animateur interviewé. Ah oh, non, c'est ça. Ben écoute, là, on se partage, là, on est juste deux. Là, ben ouais, c'est ça, c'est tranquille. Ah, c'est ça. Fait que là, tu sais, on se parlait que là, tu parlais de l'exemple de l'ours, là. Puis, tu sais, mettons, là, justement, là, t'as une personne là, qui court vraiment vite puis qui réussit à s'échapper de l'ours vraiment rapidement. Puis là, tout le monde le regarde. Puis là, il se dit, hey, cette personne court vraiment vite. Puis là, tu sais, la rumeur se répand que cette personne court vraiment vite et tout et tout. Bon, tu comprends cette base d'histoire, là. Ouais. Ben là, mettons, là, t'es chez toi, OK? Puis là, tu sautes vraiment haut puis tu réussis à pogner le plafond avec ta tête, là. Ouais. Ben, le problème, là, c'est que t'es chez toi puis personne ne l'a vu. Fait que là, l'affaire, là, c'est que... probablement que tu vas le mettre sur TikTok, là, parce que c'est le genre de truc que tu fais en filmant, là. Ben, c'était ça, l'affaire. C'est est-ce qu'on devrait créer un site internet ou une base de données où ce que une le monde peut plateforme électronique. Montrer... oui, une plateforme électronique où ce que le monde peut montrer leur exploit qu'ils peuvent faire par chez eux. Ah oui! Un genre de... d'Olympique, peut-être. Je sais pas ce serait quoi le nom, mais... On pourrait appeler ça YouTube. Ah ouais, YouTube. Mais il faudrait créer une section vraiment parce que, tu sais, si tu veux chercher, t'es comme, hey, j'ai envie de voir les exploits que les gens peuvent faire chez eux. Faudrait que ce soit comme un ouais, YouTube Olympique. Olympique YouTube. Ouais. Mais genre les Olympiques maison, là. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Les Olympiques maison. Ouais. Ouais. Fait que les maisons olympiques. Autant aux maisons olympiques. Et voilà. Et voilà. Oh, ouais. Et gros voilà. Gros titre. Ouais, c'est bon ça, c'est bon maison ça. Maison olympique. C'est ça, puis là, le monde pourrait voir c'est qui le meilleur à sauter le plus de marches dans son escalier. Ou qui est capable de faire le plus rapidement des toasts avec son grille-pain. Ça ressemble pas mal à Jackass, ton affaire, hein? Ouais, mais non, le but, c'est pas de se faire mal. Le but, c'est juste de montrer les prouesses humaines, mais d'une autre manière. En ligne, ben oui. Ah, ben ouais, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme compétition, mettons? Ben, c'est ça que je me demandais. Ce serait quoi les plus populaires? Je sais pas, moi, ouvrir ta fenêtre puis fermer le plus de répétitions possible dans un certain temps, là. Tu sais, parce qu'il faut que tu tournes la manivelle, fort, là. Tu la rouvres au complet, là. En tout cas. Ouais, mais là, faudrait qu'il y ait quelque chose entre les intervalles d'ouvrir et fermer la fenêtre. Ça serait peut-être de comme. Ben, c'est comme, tu sais, pour une certaine distance, je sais pas, moi. Ouais. Ben, c'est comme, ça reviendra à l'action de ramer, là. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui serait fort aussi, c'est qu'on met la règle que dans la maison, il y a 5 poubelles, là. Fait que là, le but, c'est d'aller chercher les poubelles dans toute la maison, puis les mettre dans la grosse poubelle à l'extérieur, puis les porter sur le bord de la rue le plus rapidement possible. Ok. Dans le fond, on transforme ça en tasse ménagère. Ce serait parfait pour des enfants. Ben, tant qu'à faire, on fait une pierre deux coups. Hein. Ah ouais, c'est ça. Sinon, sauf qu'il faut que tu dispatches tes dites poubelles avant. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'il y ait des règles un peu, là, tu sais, parce que, je sais pas, là, si Will Smith décide de participer, mettons que lui, sa maison est un peu plus grande que la mienne, hein. Non, ça, c'est sûr. Faudrait avoir une taille de maison. C'est ça. Hein. Faut les paramètres. On laissera ça, les paramètres à régler pour les personnes qui géreront le site web maisonolympique.com. Hein. Ah ouais, ok, et parfait. Acheter le domaine, vous n'avez pas le droit, c'est nous qui va l'acheter. Merci beaucoup. Ouais. Mais sinon, mes Olympiques avec une faute dedans. Ah ouais, c'est ça. Sinon, la course des escaliers, monter, descendre le plus rapidement possible. Bon, ouais. Ça, c'est de base. Ouais, ça, c'est sûr. Sinon, je sais, on a parlé du floor is lava tantôt, de faire du parcours comme ça. Mais là encore, là, ça dépend de chaque personne. Plus ta maison est grande, moins que tu as de surface à sauter, c'est plus long. Mais plus qu'elle est petite, plus que tu as de surface à faire le truc. Sinon, j'avais pensé à un sport, parce que je sais qu'il y a du monde qui font ça de temps en temps, le saut en hauteur à la perche. Oh! Mais là, comment ça se faisait? Comment ça, on pourrait faire ça dans une maison? Ben, je sais pas. Peut-être à partir du balcon. Ouf! Ouais, quitte à partir du balcon. Ah, oh, faut que tu atterrisses sur ton balcon à toi, quand t'es dans la rue. Ouais. Ah! Bonne idée. Puis si tu tombes, mais tu te casses sur le ciment, ouais, ok. Ouais. Bon, on pourrait peut-être, mettons, ceux qui veulent participer à ça, on pourra leur envoyer un colis de matelas par FedEx. Ouais, ça. Ah, oh, je sais! Oui. Le lancer du papier de toilette. Hey, tout le monde en a tellement chez eux. Ouais, ben il y a le Stay at Home Challenge, là, que le monde, ils font des dribbles avec le papier de toilette, là. Puis après ça, ils se l'envoient entre eux. Là. Ça, c'est bien populaire. Okay, ouais. C'est une bonne idée. C'est bien populaire, mais qu'est-ce qu'on préfère? Il y a plein de choses qu'on peut faire avec le papier de toilette, là. Ouais, il y a des œuvres d'art, il y a des sports. D'ailleurs, Guillaume, est-ce que tu t'es collé un arc-en-ciel dans ta fenêtre? Hein? Pour dire que ça va bien aller? Non, j'ai pas collé encore.
J'étais encore en mode apocalypse, puis de toute façon, mes papiers, mes crayons sont dans une autre pièce que celle de ma pièce de quarantaine, donc malheureusement, c'est ça. Hey, c'est vrai. Hey, d'ailleurs, je me demandais, là, Adley, là, il est en quarantaine de ta quarantaine? Je sais pas, il est où, en fait. Ouais. il était là, puis à un moment donné, je me suis levé un matin, puis il était plus là, puis j'ai pas vu la porte ouverte, parce que notre barricade tient toujours encore là, et c'est ça. Fait que peut-être qu'il est en train de faire une quatre-vingtaine. Une quatre-vingtaine? Peut-être, hein? Écoute, c'est vrai que j'ai pas vérifié le garde-robe. Il était caché dans le garde-robe. Ah. Mais bon, je checkerai ça après l'émission. Ben oui, prochaine émission, on regardera ça. Hein? Ah, c'est ça. Range là. Je me dis, il n'y a rien qui presse. Je pourrais vérifier là, mais il n'y a rien qui presse. Hein? Non, c'est ça. Ben écoute, on n'a rien d'autre à faire que chercher dans le garde-robe ou jaser n'importe quoi. Ah ben ouais, c'est ça. Fait que donc, sinon, regarde, on va tout de suite aller au tavernac. Parce que okay, on va parfait. Pas perdre nos habitudes, là. On va regarder ça. Fait qu'on s'en va au tavernac. Ouais, donc, sinon, ce serait l'apocalypse. Exactement. Tavernac. Bon, comment qu'on fait un tavernac quand il n'y a pas de sujet de sport? Au lieu de faire le tour comme on a fait l'autre fois, de juste faire le tour des trucs qui étaient annulés, mais là, à cette heure que tout est annulé, on n'a plus besoin de faire ça. Donc, on va aller voir des nouvelles sports alternatifs. Donc, hein? Ben, c'est bon, j'ai juste fait ce pot. Oh, ok, j'avais mal compris. J'étais impressionné par... par ton ingéniosité. Ah ben, t'inquiète, hein, on est que des résultats, des... ouais, professionnels. Exactement. Donc, pour ça, on va aller voir ce que les jeux vidéo nous réservent ces temps-ci, parce que c'est la seule chose qui marche bien en ce moment. Et donc, je vais aller sur, si vous ne savez pas encore que ça existe, RDS Jeux Vidéo, une plateforme d'information de jeux vidéo. Je t'entends un peu... Je t'entends un peu juger, là, mais bon. Donc, on nous parle... Non, juge pas. Donc, on a eu la sortie d'un Animal Crossing. Oui, gros jeu. Ah oui? Ben oui, c'est un jeu super populaire où que tu crées ta ferme, tu essaies de créer plein de trucs, tu vas pêcher, puis tout le monde est gentil, puis t'as ton petit village. C'est un jeu assez populaire quand même. Ouais, mais ça a l'air plate comme jeu. Ben non, c'est cool. Non. T'as jamais rêvé d'avoir ta propre ferme? Ben non. Ben en vrai, là, pas là. Non, mais pourquoi, mettons, attends, pour ceux qui comprennent pas Animal Crossing, ben, tu viens d'expliquer un peu le jeu, mais en gros, c'est un jeu, on va dire, pour enfants. Ouais, ok, mettons, là. Je dis, ben, c'est Nintendo, là, on s'entend, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, comment tu veux... Juste que moi, ce jeu-là, je suis pas capable, je le trouve plate à mort, là. Je me dis, il y a pas de but dans le jeu, là, tu vas juste parler avec du monde puis être social, c'est comme rendu là, va faire ça dehors, là. Ouais.
Mais en tout cas, bref. Tout ça pour dire que j'ai vu passer cette semaine qu'il y avait il y avait le coronavirus qui était rendu dans Animal Crossing parce qu'il expliquait comment tousser et tousser dans son coude. Oh! Dans le jeu. Ah, c'est quand même pas pire. D'ailleurs, j'ai un truc pour ceux qui auraient pas joué à Animal Crossing. J'ai un truc pour les gens qui nous écoutent. Oui, vas-y. Je suis sûr qu'ils sont nombreux à savoir. Le mouvement populaire du dame, hein, tu le connais, hein, c'est un bras en l'air puis l'autre devant ta face. Oh oui, mais c'est vieux ça. Tu peux profiter du fait que t'éternues dans ton coude en davant. Fait que quand t'es là pour éternuer, mais tu dabes, fait comme ça t'es sûr d'éternuer dans ton coude. Fait que c'est cool, fait que ceux qui sont encore stickés sur une mode qui date de 2015, ben garde, c'est le temps. Hein? Et voilà. C'est le temps. Donc, voilà. Sinon, niveau jeux vidéo, toi, tu m'as parlé un peu hors d'onde. Oui, parce qu'on s'est parlé hors d'onde, voilà. Ben oui, on fait ça. Exactement. Dota. Puis là, moi, on a oui. Le temps. Fait que je veux que tu m'expliques un peu c'est quoi Dota. Parce que rendu là, c'est ça. C'est quoi Dota? Écoute, il y a plein de choses à parler sur ce jeu. C'est en fait, ça vient du jeu Warcraft 3. C'est un jeu de stratégie, il a sorti à peu près 15 ans. Puis, il y avait un mode qui a été sorti de ce jeu-là, puis qui s'appelait Dota, The Defense of the Ancient, la défense de l'ancien. Puis, ben le but du jeu, c'est que c'est 5 joueurs contre 5 autres joueurs, et tu dois protéger ta base, ton château. Puis, il y a comme des tours que les gens doivent détruire avant d'aller détruire ta base, et tu peux choisir des héros là-dedans. Il y a à peu près 120 héros à choisir. Okay. Et puis, chaque joueur choisit des héros et décide de se battre contre 5 autres joueurs. Puis, si tu veux savoir que c'est, Dota, c'est le e-sport avec la plus grosse somme d'argent comme pool à la fin du jeu. Juste en 2019, je vais aller voir le price pool de Dota en 2019. Ouais. Sinon, tu peux chercher toi aussi, mais tiens, on va m'entendre taper sur mon clavier, c'est vrai. Ça devrait vraiment être le fun à écouter. Alors, le price pool était de 34 millions de dollars pour la compétition de 2019. Ok, quand même. Hein? Quand même. Fait que je me souviens plus, les gagnants gagnaient combien, là, peut-être à peu près la moitié. Là. Fait que séparé à 5, c'est quand même pas pire. 15 millions de dollars séparé à 5 joueurs. C'est quand même pas pire. Ouais. Fait que c'est un gros jeu, c'est super populaire. Je suis d'ailleurs allé voir des compétitions en 2018 quand ils étaient à Vancouver. Mm-hmm. C'était assez le fun à voir. Puis sinon, quoi savoir sur le jeu? Ben, c'est un jeu qui est international, où ce que la Chine est très très bonne, la Russie aussi. Sinon, l'Amérique du Nord aussi est quand même assez bonne aussi. Sinon, en Europe, c'est très populaire ce jeu-là. OK. Mais question pour toi, ouais. tant qu'à parler d'e-sport, là. Pourquoi c'est ce genre de jeux-là qui sont populaires et non pas des jeux, mettons, plus axés sur le sport en tant que tel? Ben, je pense que de base, les gens qui vont jouer à des sports comme jeux vidéo, c'est des gens qui sont capables d'aller à l'extérieur pour faire du vrai sport. Exactement. Fait qu'ils vont jamais devenir des pro parce que ben ils vont jouer à l'extérieur en même temps que jouer à l'intérieur. Tandis que les autres jeux vidéo, comme Dota ou d'autres trucs, ben c'est des personnes qui vont rester chez eux puis qui vont vraiment jouer puis qui vont vraiment devenir bons. Fait que c'est là que il y a toute une culture de la compétition de sport qui va apparaître, t'sais. Mais je suis pas sûr parce qu'il y en a qui sont tu sais, il y en a qui jouent comme celui qui il y a les e-sports qui mettons qui sont pour chacune des équipes de la Ligue nationale ou de la Ligue de MLS de soccer. Eux sont vraiment mettons ils font ça de leur vie puis je pense pas qu'ils ont déjà joué au soccer à aller voir leur shape des fois là, fait que shape étant, je dis pas qu'ils sont gros là, mais des fois t'en as qui sont vraiment genre menus et minces là. Ouais. Donc je me dis pourquoi. Mais, ouais. Je pense aussi que un des problèmes aussi des jeux de sport, c'est qu'ils en sortent un à chaque année à peu près, ou à chaque deux ans. Ça fait que c'est difficile de créer une base de une communauté de joueurs qui veulent jouer et qui vont jouer sur les mêmes bases, les mêmes paravents. C'est comme si à chaque année, le hockey vont dire ben on change les règles, on change comment la patinoire est faite, on change plein de trucs. Fait que c'est difficile d'avoir une vraie compétition puis de laisser les joueurs s'améliorer par eux-mêmes et pas dire c'est qui le premier joueur qui trouve la faille dans le système, tu sais. Mais là, qu'est-ce que tu fais des meilleurs graphiques? Ouais, c'est ça, mais justement, comme on parlait à un épisode précédent, il y a quelques semaines, ben, justement, Super Smash Bros. Melee, ben, ça fait 15 ans que c'est le même jeu.
Puis les graphiques sont lettres, mais au moins ça fait 15 ans, fait que il y a une méta qu'on appelle. La méta, c'est comme les stratégies populaires, les choses comme ça, qui est capable de se développer par les joueurs, puis plein de choses aussi qui permettent de se développer par le fait que c'est le même jeu depuis les mêmes années. Puis ça aide beaucoup justement d'avoir un seul jeu, puis que les paramètres sont pas trop changés pour laisser les joueurs découvrir les différentes facettes du jeu. Puis okay. Sinon, ben je pense aussi que ça doit dépendre de qu'est-ce que le créateur du jeu veut, parce que tu sais, il y a des jeux que compétitivement ça marche pas vraiment, comme par exemple Animal Crossing. Je pense pas que les développeurs se sont dit hey, on va rendre ça compétitif, tu sais, on va faire qu'il y a des façons de faire des compétitions en ligne, des affaires de même. Je pense pas que c'était leur but. Ouais. Mais tu sais, il y a des jeux qui sont très populaires en ligne, mais qui sont pas nécessairement des jeux populaires de e-sport. Comme je vais prendre par exemple vite de même Fortnite. Je pense pas que c'est un jeu populaire de e-sport, mais il est très populaire. C'est ça, exactement, parce que c'est ça, il y a plein de facteurs en fait qui rentrent là-dedans. Justement, ben t'as les stratégies, t'as savoir qui peut gagner et comment. Puis c'est quoi les stratégies pour gagner, puis est-ce que c'est intéressant à regarder? J'avais déjà vu qu'il y avait eu quelques compétitions de Fortnite, de e-sport, mais ça faisait que le monde faisait juste comme construire plein d'affaires, puis ils se regardaient dans le blanc des yeux sans jamais s'attaquer. Ouais. Parce que c'était ça la meilleure stratégie, ben ça fait que c'est pas vraiment intéressant à regarder, fait que c'est pas populaire. Tu sais, faut voir ça aussi. Faut que le jeu soit le fun à jouer, soit compétitif, puis que tout le monde puisse s'améliorer. Mais faut aussi que les personnes qui le regardent soient intéressées à le regarder. Tu sais, faut que ce soit impressionnant. Fait que les jeux de tir à la Call of Duty puis Halo, ça marche pas là. Ça marche pas vraiment. Il y a un jeu de tir comme ça qui est vraiment populaire, c'est Counter-Strike. Qui est un des plus populaires vraiment là, de jeu de first person shooter, parce que justement ça fait longtemps qu'il est sorti et tout. Puis comme je te disais, le problème de Call of Duty, c'est qu'il en sort à chaque année, fait que ça marche pas vraiment. Mais ouais, c'est ça, c'est un des plus populaires là, là-dessus. Fait, dans le fond, ouais. La règle là, c'est sort un jeu, puis faut pas que tu le ressortes, hein. Faut que tu le patches. Exactement, faut que tu le patches, puis faut que tu sois prêt à travailler longtemps dessus. Puis c'est ça. Fait un peu comme qu'il avait fait avec le Assassin's Creed Unity en France, c'est ça? Ouais, ben j'ai pas tant. En fait, j'ai pas tant. Ouais, c'est ça avec toutes les bugs et tout. Ouais, c'est un but. Ben, une bonne solution aussi, c'est de sortir son jeu quand il est prêt, hein, pas le sortir d'avance. Ah oui, hein. Comme Last of Us 2, là. Je pense que ça fait 2 ans qu'il est censé être sorti. Hein. Ouais, ben au moins quand il est sorti, il va être prêt. Ouais, ton pain, GTA, tu le sors pas avant qu'il soit cuit, tu sais. Ouais. Exactement, parce que c'est juste ça qui nous reste, du pain. Ouais, c'est ça, parce que sinon, c'est la révolte. Exactement. Bon, ouais, mais est-ce que, comment que tu décides, parce que moi, j'ai déjà vu les tournois de e-sport, j'ai pas été, là, mais je dis, comment que tu décides, mettons, ça va être ces jeux-là, c'est juste parce que c'est les jeux les plus populaires, ou tu dis, mettons, attends, moi, je pars un trend, Luigi Mansion, multijoueur, ça va être ça, là. Ben, en fait, je te dirais qu'il y a comme plusieurs types de compétitions de jeux vidéo, là. Justement, un des trucs que les développeurs peuvent faire, c'est eux-mêmes pousser la scène compétitive. Comme par exemple, le jeu Overwatch a beaucoup été poussé par la scène compétitive. Les développeurs ont dit « Hey, on va mettre un peu gros prize pool de comme $1 million, puis il va y avoir des compétitions et tout. » D'habitude, ça fonctionne plus ou moins, parce que ben les joueurs sont comme « Hey, tu te pousses à avoir une scène compétitive, puis ça marche pas vraiment. » Fait qu'il y a cette solution-là. Sinon, ouais, c'est surtout les joueurs qui vont commencer à jouer, ou les personnes vont commencer à jouer, puis à eux-mêmes se faire des petites compétitions, puis à un moment donné, la business va rentrer, puis ça va encore plus s'intégrer là-dedans. Sinon, un autre type de compétitif qui est plus solitaire, mais qui fonctionne quand même, c'est le speedrunning. Est-ce que tu sais c'est quoi le speedrunning? Ben oui, c'est finir un jeu le plus rapidement possible, soit de manière legit ou non. Exactement. Puis là, justement, il y a plusieurs paramètres, mais c'est justement de finir le jeu le plus rapidement possible. Fait que ça, justement, ben là, n'importe quel jeu peut être fini le plus rapidement possible. Puis là, il y a différents types de compétitions de comme, hey, qui peut finir Animal Crossing le plus rapidement possible. Puis. Mais ils vont pas mettre ça, tu vas pas te diffuser ça, il me semble que c'est plus une affaire genre, moi je suis tout seul, puis je joue sur Twitch, puis let's go, là. Ben, pas nécessairement. Il y a des compétitions, je pense qu'il y avait la chaîne YouTube ou Twitch qui s'appelle Game Done Quick, je pense, qui justement amenait des speedrunners. À venir sur scène, puis ils expliquaient, le joueur expliquait un peu sa stratégie de qu'est-ce qu'il faisait. Fait que les téléspectateurs pouvaient un peu comprendre qu'est-ce qui se passait à l'écran. C'est drôle puis, comment que la parenthèse, comment YouTube est en train de devenir juste la télé, là. Ouais, non, c'est
bien la télé, en effet. Mais ce qui est drôle du speedrunning, c'est que souvent, ben, tu sais, les gros jeux, donc les jeux vraiment populaires, comme, je sais pas, Mario Bros, des affaires de même, ben, le sommet a déjà été atteint, là. Tu sais, c'est comme si toi, Guillaume, tu te lèves un matin et tu te dis, hey, je vais battre le record du 100 mètres. Ben, mettons que tu vas pas le battre, le record du 100 mètres, parce qu'il a déjà été établi, puis probablement que personne va réussir à le battre, ce record-là. Non, le 100 mètres, lui, là, mais c'est par quelques millisecondes, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, mais ça risque d'être difficile. Fait, qu'est-ce que tu fais, toi, Guillaume, si, mettons, tu veux être aux Olympiques et tu veux battre un record? Ouais, ben, je m'en vais dans une discipline qu'il n'y en a pas beaucoup, là. Exactement, où tu crées un nouveau sport, tu sais, quasiment. Fait que là, le but que souvent des speedrunners, ils font... Ouais, mais l'affaire qui arrive, c'est parce que si je crée un nouveau sport... Le temps que ce sport-là se fasse reconnaître, je n'aurai plus les capacités physiques pour battre le 10 record de ce sport. Et il va devenir aux Olympiques, puis je ne serai plus activement en train d'être un sportif. Ça, c'est vrai, puis ça, c'est le problème du sport aussi, c'est que tout est plus lent, mais les jeux vidéo, c'est sur Internet, tout est plus rapide. Mais dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, ou des fois, il y a des speedrunners qui vont aller chercher des jeux, des vieux jeux que personne connaît, mais vu que personne connaît, ben, il n'y a pas de record qui a été mis là-dessus, fait que ben, ils peuvent mettre 30 heures de leur vie là-dedans, puis être le record mondial de, je sais pas moi... Seulement 30 heures. Scooby-Doo 3, Recherche du fantôme. un jeu pour 8 ans. Ou un speedrun de Hadibou, hein. Ou Mia la petite souris. Écoute, je suis sûr qu'il y a un record que... Tiens, on va aller chercher Mia la petite souris. La petite souris speedrun, hein. Y a-t-il un speedrun de Mia la petite souris? Ça Non, ben écoute, pour les téléspectateurs ici, ben en fait pas les téléspectateurs, les auditeurs, vous pouvez faire un speedrun de Mia la petite souris. Ben, vous le savez maintenant. Il n'y a aucun record qui a été mis là-dessus, donc profitez de votre moment de quarantaine pour devenir un speedrunner compétitif. Ça prend juste ça, trouver un jeu que personne n'a fait. Ok, mais moi, tu sais, comme je parle en termes de spectateur, mettons, moi, je regarde plus du monde jouer que regarder du monde compétitionner. C'est-à-dire que je regarde plus les personnes, mettons, jouer à Mario ou à d'autres jeux, à Red Dead, des affaires comme ça, là. D'ailleurs, Jack Black qui joue à Red Dead sur YouTube, c'est excellent. Je vous invite à aller voir. Okay. Jablinski Games. Donc, moi, parce que moi, regarder League of Legends, je trouve ça pas tant nice. Je trouve ça long, je trouve qu'il se passe rien parce que je sais pas, moi je parle visuellement. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est juste, mettons, tu sais, c'est des petits bonhommes qui font juste faire se battre entre eux de loin. Parce que je trouve que c'est pas tant intéressant. Comme, mettons, je sais que eux qui sont forts, c'est la Formule 1. En elle, ça. Tu sais, vu que c'est déjà un peu. Ils ont déjà toute leur rang de caméra placée, ça fait déjà beaucoup plus le fun à voir, là. Ouais. C'est ça, en mode spectateur. Ouais, c'est ça. Et c'est sûr que ça, il y a ce problème-là. Mais tu sais, c'est comme si toi, tu me parles de ça, puis je te dis, ben, montre à quelqu'un un jeu d'échecs, sans savoir les règles du jeu d'échecs, puis essaie d'être impressionné. Ben, ça se peut que ce soit pas vraiment intéressant, parce que tu connais pas les règles, puis tu sais pas quoi regarder, hein. Si tu sais pas quoi regarder, ben, rien n'est impressionnant. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il faut que tu sois capable de comprendre c'est quoi les règles du jeu, c'est quoi qu'il faut que tu regardes. Puis c'est là que rentrent les commentateurs, tu sais. Fait que quand tu regardes une compétition de jeux vidéo, ben un commentateur peut, tu sais, d'habitude c'est quand même pratique d'avoir deux commentateurs, un qui est comme un peu plus expert, puis l'autre qui fait un peu plus le niais ou qui pose des questions pour justement aider les téléspectateurs à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis à comprendre pourquoi ce jeu est intéressant, puis ce que le joueur a fait, c'est impressionnant, puis pourquoi l'autre, ben il a foiré, tu sais. Ok, mais tu m'as dit quelque chose, ça m'a allumé là. Les échecs là. Ouais. Qui joue dans la rue, là. En ce moment, là, ça se donne plus, là, hein? Hey, là, les échecs de rue, tu me reviens là-dessus encore. Ben, probablement que ça se donne plus, les échecs de rue, mais... Peur de transmission. Je reste sur ce point, je te laisse pas avancer. Les échecs de rue, ça existe, et les compétitions, ben, pas les compétitions, là, mais les échecs de rue, ça existe encore, mais... Ouais, fait que c'est ça, c'est vraiment de savoir où regarder, quoi regarder, puis ça vaut la peine des fois justement de regarder les compétitions de jeux vidéo avec d'autres personnes qui connaissent ça. Fait que moi, par exemple, j'ai souvent invité des amis qui connaissaient pas ça, Dota, puis qui venaient écouter ça chez nous, puis je leur expliquais un peu qu'est-ce qui se passait, puis ils étaient prêts à crier avec moi quand il se passait quelque chose, puis... Ouais, c'est la même chose comme quand que je vois les Dors RDS en ce moment-là. Hey, il paraît que les Dors RDS, ils ont une folle chanson soundtrack... On la fera écouter aux auditeurs la prochaine.
Oh boy, ok, faudrait que je trouve là par contre, là, mais. Ok. Ah, mais je serais capable de la trouver, je pense. Okay. Ben, d'ailleurs, ça serait une bonne idée. Ben écoute, si c'est pas encore l'apocalypse cet été, d'habitude, durant l'été, c'est les compétitions de Dota. Ben mm-hmm. écoute, tu viendras chez nous, tu bon. Viendras écouter ça, on pourrait venir amener à Adley, hein. Ah, puis, ben. On parlera de ça. Bon, ben, ça sera un épisode, hein, on fera ça live, en train de le regarder. Ben, commenter ouais, par-dessus commentateur. Ouais, c'est ça. Ou toi, tu diras qu'est-ce que t'en penses, puis qu'est-ce que t'as appris, puis qu'est-ce que t'as trouvé plate. Hey, wow, hein, c'est presque une sortie scolaire. Ouh là là. Hey, ben là, attends, Guillaume. Je tiens à te dire que j'avais fait la promesse que si là, les Canadiens se rendaient en finale ou whatever, j'allais venir chez toi écouter. Ouais. Bon. Ben, là, y a eu... là, ce que je cherche, j'ai pas fait de promesse que si l'apocalypse arrive, je dois écouter du e-sport. Ah, ben, je sais pas, il me semble que j'avais entendu ça. Non, ok. Non, ben, je vais venir, t'inquiète. On va s'arranger pour ça. Ben, ouais, si on fera un échange, je viendrai écouter du hockey, puis tu viendras écouter. Ouais, mais le hockey, ça recommencera à avoir un petit bout, là. Parce que, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça qui est ça. Parfait. Ouais. Ouais. Ben, ça qui est ça, hein. E-sport. C'est ça qui est sur l'e-sport. Ben ok, ben comment que, mettons, parce que moi, tu sais, je joue à des jeux vidéo, là, je me confesse, mais je joue pas à des jeux vidéo qui sont sur la scène e-sport. Fait comment je peux décider que, mettons, moi, je me pars, je veux qu'un de mes sports, je veux dire, des jeux que je joue deviennent un e-sport. Comment je peux décider ça? C'est ça qui est difficile. Ben c'est sûr que si déjà, à la base, il y en a pas... Faut qu'il y ait des joueurs qui jouent à ton jeu. Faut qu'il y ait beaucoup de gens qui y jouent. Ouais. Faut que ce soit le fun à jouer. Parce c'est que moi, que ça, à base. Tu sais, moi, personnellement, des courses de Mario Kart en e-sport, moi, je trouve ça excellent, là. Puis il n'y en a pas tant. Ouais. Ouais. Mais je sais pas si c'est tant populaire. Ben, premièrement, faut que ton jeu soit accessible en ligne. Il faut que le en ligne soit bon. Tu sais, je sais que Nintendo, ils ont souvent des problèmes avec le en ligne qui ne fonctionnent pas autant bien que certains autres jeux. Fait que sûr que déjà là, ça peut amener certains joueurs à ne pas vouloir jouer à ce jeu-là. Ouais. L'autre affaire, c'est qu'il faut que ça soit. Faut que tu puisses t'améliorer dans le jeu puis que ça soit intéressant. Tu sais, faut que la courbe d'apprentissage soit intéressante pour que les joueurs soient intéressés à jouer. T'sais. Ouais, mais donc, les impondérables aussi sont le fun. C'est qu'est-ce que Mario Kart fait tout le charme, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça aussi, c'est ça qui est le problème un peu de Mario Kart, c'est que, tu sais, quand t'es bon à Mario Kart, ben, tu te fais envoyer une tortue bleue. Fait que, ça, c'est l'affaire avec Nintendo. Nintendo, ils essaient toujours de se dégager du compétitif parce que je pense que c'est pas ce qu'ils essaient d'amener dans leurs jeux vidéo, tu sais. On voit ça avec Animal Crossing, ouais. On voit ça avec, Mario Kart. Il y a des manières d'éviter la dite tortue bleue, hein. Il faut être fin finaux, mais il était capable de l'éviter. C'est vrai. Fait que là-dedans, il y a une certaine stratégie qui peut amener. Puis donc, c'est ça. Fait qu'il faut que le joueur soit capable de s'améliorer. Tu sais, je pense qu'il y a un site internet là où faut que tu cliques sur des biscuits le plus possible, puis à un moment donné, ça te donne un score. Ben là, il n'y a pas vraiment de stratégie. Hein. Ben, il y a peut-être des stratégies de comment tu peux cliquer le plus souvent sur un biscuit, mais sinon... Ouais. C'est vraiment intéressant. Fait qu'il faut que ce soit intéressant. Il y a sûrement un algorithme que tu peux développer puis voir, mettons, ah, regarde, les biscuits apparaissent souvent à ce spot-là. Puis, fait que je peux cliquer juste à ce spot-là, je vais avoir plus de chance. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons que c'est pas trop. Ça, c'est ça. Il y a quelques stratégies qui peuvent développer, mais pas beaucoup. Fait que, c'est ça. D'après moi, là, une recette, là, mettons que, comme si je donnais une recette de gâteau, mais c'est une recette pour comment ton jeu vidéo peut devenir populaire, ben, faut que. Ouais. Il y ait un accès en ligne qui est bon. Faut que y ait beaucoup de personnes qui y jouent. Faut que la courbe d'apprentissage soit intéressante puis que ça soit que justement il y ait beaucoup de stratégies qui peuvent se développer et tout. Puis il faut que le jeu reste longtemps dans le monde du jeu vidéo. Donc pas qu'il y ait un autre opus qui sorte un an après puis que justement ça c'est comme un peu le vin, tu sais, faut que tu laisses la compétition puis le compétitif se développer par lui-même. Ça je pense que c'est les quatre éléments pour qu'un jeu vidéo devienne e-sport et que ça soit intéressant à regarder. Ah, ben oui, le cinquième, faut que ça soit intéressant à regarder. J'avais oublié cet ingrédient secret. Ouais, ouais hein? Ben ouais. Ok. Bon. Fait que c'est parce qu'il y a quand même Rocket League, là. Moi, je trouve lui, il y a tout pour plaire, hein, celle-là. Il coche tout. C'est vrai qu'il y a tout pour plaire. C'est vrai. Alors, pourquoi tu le juges autant? J'ai jugé Rocket League? Je me souviens pas. Ouais. Sûrement parce que ça ressemblait un peu au soccer, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Parce que me semble Rocket League c'est drôle là, ça me fait rire en tout cas. C'est vrai. Mais je suis pas encore capable de voler là, ça c'est un fait. Ah ben écoute, t'as les prochains mois pour te pratiquer. Ben non, parce que là, je jouerai en ligne, fait que ça, non, je suis pas en ligne.
Ouais. Bon, OK. Ben, c'est ça, on a fait le tour, hein? Ben ouais, on a fait pas mal le tour, c'est vrai. On a fait le tour. Je sais pas quoi d'autre parler en termes d'apocalyptique du sport, là. Je sais qu'on a... on s'est quasiment fait une entrevue e-sports, finalement. Ça a donné de même, fait que... Ouais, ça a donné de même. Écoute, on a trouvé des choses à parler, mais ouais... Difficile de... Fait que conclusion de cette émission, Guillaume, mais difficile de parler de sport quand il n'y a pas de sport. Non, ben, c'est capable d'en parler, mais c'est, mettons, plus difficile d'en parler quand tu te prépares que... plus facile d'en parler quand tu te prépares que quand tu te prépares pas. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu se préparer, pis ça, c'est ma faute, hein? Ouais, on va tout mettre ça sur l'invité, là. Esti, man, t'es censé m'arriver. Ouais, c'est vrai, c'est ta faute, finalement. Mais, ouais, en fait... Je me demande, qu'est-ce qu'ils font les joueurs de hockey en ce moment? Tu penses qu'ils restent chez eux et qu'ils jouent à des jeux vidéo? Ouais, ils se continuent de s'entraîner. Ouais, c'est ça. Pas mal ça. Ouais, c'est pas mal que c'est facile de s'entraîner et faire du sport quand ta maison est immense. Hein. Ouais, puis t'as déjà un gym dedans puis que t'as déjà de l'argent. Là, ouais, c'est ça. C'est comme, ah non, le parc est fermé. Bon, je vais jouer sur mon propre court de basket. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas tant difficile en même temps. C'est ça. Puis des fois, il y en a qui ont même des fois des mini-arenas dans leur maison, là. Oh, quand même, pas pire, hein? Ben, tu sais, comme, mettons, une petite glace juste pour qu'ils continuent de patiner. Mais ça, c'est ceux qui sont vraiment riches, là, on va dire. Ouais, c'est ça. Eux, ça fait longtemps, puis qu'ils vivent juste de ça, là. Mais c'est pas tout le monde qui est de même. Non, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est de même. Ils prennent soleil aussi. Ouais, c'est vrai qu'il fait beau. Ouais. Ça, on est quand même chanceux, il fait beau, là. Oui, hein? On est chanceux que ce soit le printemps. Ça l'aide, hein? Ça avait été l'hiver, ça aurait été pas mal là, triste. Ouais. Bon, ben regarde, tu sais quoi? On va se finir en chanson. Je vais mettre une de nos hits qu'on a eu. Fait que vous allez pouvoir écouter ça. Puis on revient la semaine prochaine, dans deux semaines. Merci d'avoir été là, mon cher Jules. Ben écoute, ça me fait plaisir. Puis à la prochaine fois, je suis prêt à parler de sport autant de temps que tu veux. Je suis quand même l'érudit. Hein. Ouais, on n'oublie pas, hein? Donc voici, on y va en chanson. Ça va direct dans le grip. Ton concept, il le fait mort avec sa team. Les après-matchs, il les anime. Tiki, Danny Gauthier, Marc Denis, DJ, puis la tendresse de Gigi. Frenchie, Vince D, puis Mario D. Une team de feu pendant ta TV. Votre jeu construit avec nos restants, on le voulait plus. Le vieux vilain, mais on a gardé nos meilleurs éléments. Mais laisse-moi dire que sans garçon, t'es rien. Bien installé depuis 2008. Les vrais experts sont ici. C'est pas strict mode, on est dit dans les chaises parce que c'est l'antichambre. Quand est-ce qu'on va arrêter de prétendre? Qui c'est qui écoute vraiment l'antichambre? Les seuls qui font un peu de sport là-dedans, c'est les surfaces ou les bonnes. Non, je pense qu'ils ont mal compris le slogan. On ne change pas une recette gagnante. L'émission est trash depuis 12 ans. Change de poste, les Maurice s'attend. Oui, j'en bosse, ils avaient au centre. Les animateurs dont on voit les jambes. Du contenu toujours intéressant. Il répond à ses DM en passant. N'ajustez pas votre récepteur, ni le volume de vos téléviseurs. C'est normal qu'ils crient un bon vivant. Contrairement aux zombies de l'antichambre. Émission sportive pour finir ta soirée. Laquelle tu vas choisir? Appel les Canadiens. Dans le point rouge RTS, dans le point bleu TVA, c'est l'antichambre. Pour défendre ce qu'on dirait, lequel tu vas choisir après les Canadiens. Qui est des grands rebelles, médias, tout un combat, c'est ton choix. Morissette, c'est un gars du peuple, y'a les épaules larges comme deux immeubles. Il s'est debout, pas besoin de fauteuil. L'émission commence, chaleureux accueil. T'as reçu trop de coups de poing sur la gueule. Il est pas capable de faire un clin d'œil. En pleine forme, il est loin du cercueil. Auteuil est vivement, ça donne mon teint. Animateur qui est pas amateur. Débatteur qui parle avec ardeur. Bugs Bunny en regarde à toute heure. Toujours envie de dire quoi de notre docteur. Une chaîne de télé à la hauteur. Des Morissette, principal acteur. C'est vrai que c'est pas un très bon lecteur. Chaque demeure ton plus qui compte ses cœurs. Émission sportive pour finir ta soirée. Laquelle tu vas choisir? Dans le point rouge RTS, dans le point bleu TVA, c'est l'antichambre. Pour défendre ce qu'on dirait, lequel tu vas choisir après les Canadiens. Qui est des grands rebelles, médias, tout un combat, c'est ton choix. L'ando est parti avec son couteau dans le dos, pas trop bellement, rentre par la bague d'or. Un vrai journaliste à la bord du show, 20 ans de service au réseau des sports. Où l'homme à la tête de votre émission se dit quoi à la tête pendant 19 saisons, lent comme un modem 56, que à cause de 56. Commotion, comme une hot flop, une manchette. Dans le champ, autant pas voir Morissette. Pis son équipe devient vedette. Bergie, Bossy, se lance la retraite. Yeah, les spotlights vont vous brûler. C'est l'heure de sortir avec votre dignité. Avant de vous retrouver dans un galop de télé. En train de crier, arrêtez pas de m'aimer. Émission sportive pour finir ta soirée. Laquelle tu vas choisir?
pression sportive pour finir ta soirée. Laquelle tu vas choisir? Appelle les Canadiens dans ton team 3,5. Dans le point rouge RDS, dans le point bleu DGHC. Dans tes champs, pour défendre ce qu'on dirait. Lequel tu vas choisir? Qui est décoré d'un média, tout un combat est ton choix.